Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu. Compétir, de boxer. Francis Gra nous fait comment? Refuse de boxer. Pourquoi? Voilà, contre le Congolais Martin Bakole. Alors qu'il tape les gens pour vivre. Bon, taper les gens pour vivre, oui, mais maintenant il a ses raisons. Il estime que ça ne va pas lui donner beaucoup d'argent et oui. qu'il a déjà mieux, à fouetter. Oui. Il a autre chose à faire. Des boxeurs en face de lui qu'il voudrait affronter avant peut-être d'affronter Martin Bakole. Alors Francis Ngannou qui a déjà adoré disputer un match contre Deontay Wilder, un combat de pure boxe. Ne soyons pas fous. Comme ça, on aurait tous les deux une chance de gagner. Si on s'affronte en MMA, il n'a aucune chance. C'est un combat que je veux et que j'ai toujours voulu. À un moment donné, il y a eu des discussions qui ne sont pas allées très loin, mais on veut que ce combat ait lieu. J'aimerais même affronter plus de boxeurs. Olesant Usyk. Pourquoi pas tout le monde? En tout cas, j'ai d'abord la revanche contre Fury à disputer et ensuite Deontay Wilder est sur ma liste. Combattre Martin Bakole, non, pas vraiment. C'est le combat que je ne choisirai qu'en dernière option parce que je vois plus Martin comme un frère. J'affronterai n'importe qui avant lui, encore plus en sachant qu'il est dangereux. Non, oui, il est dangereux, mais affronter Martin ne donne pas l'argent, c'est la vérité qu'il faut dire. Francis Ngannou, ce n'est pas seulement un boxeur, ce n'est pas seulement un lutteur. Il lutte aussi pour gagner sa vie. Donc, il faut regarder si tel ou tel combat va me donner de l'argent ou pas. Donc, du coup, si on regarde, si on met comme Martin son sparring-partner pour un combat, ça ne va pas attirer grand monde. Il n'y aura pas de droits TV ou des sites de téléchargement. Je parle aussi de plateformes parce qu'il y a des plateformes comme disent qui payent les droits, donc il y aura pas tellement. Donc Francis Ngannou pense business. D'ailleurs sur sa page il a mis là-bas entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur, il n'est pas là pour rigoler, il ne boxe pas pour le plaisir. Il faut, si les conditions sont réunies, dès demain même il va boxer avec Martin. Maintenant, il faut que des gens misent gros. Si on ne mise pas gros, ça sera compliqué. C'est pour ça que les gens le pensent qu'il a déclaré qu'il adorait disputer un combat contre Deontay Wilder. Et depuis boxe, il cite d'autres noms. Alexandre Usyk, celui qui a tapé, comment il s'appelle, l'ancien, il a combattu avec... le Britannique Fury. Ouais, t'as raison, Fury. Donc Martin Bakole va attendre un peu, c'est un frère, il veut pas boxer avec lui, quoi que l'argument là ne tienne pas. on sait que c'est l'argent, tout c'est l'argent selon Cap. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel? Vous voulez construire votre propre maison à vous? Vous voulez ouvrir une station de service? C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ces terrains. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.